Voici en exclusivité les images de l'arbitre de ce soir avec les joueurs de Huesca. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face à Huesca, victoire du Barça, le match vient de se terminer. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store. Je vous mettrai le lien en description, téléchargez-la à travers mon lien, ça me soutient. En plus, ça vous tient informé en temps réel. Tout d'abord, une pensée au gardien de Huesca qui s'est mangé des frappes nucléaires en première mi-temps à travers les bombazos de Messi et de Griezmann. D'ailleurs, je remercie Griezmann parce qu'il vient de faire grimper sa valeur marchande de 5 millions d'euros en plus. Franchement, c'est un frérot. J'espère qu'il continuera comme ça. Début de match donc, le Barça maîtrise cette équipe de Huesca. Un bloc bas, on s'y attendait. Et donc, quelque chose qu'on n'utilise pas assez souvent, les frappes de loin. Et ça nous a servi. Déjà, ça a commencé avec Sergino Dest, première occasion du match. Frappe du gauche, sortie par le gardien. C'est bien parce que ça permet au Barça de diversifier ses attaques, de surprendre l'adversaire parce qu'ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'on frappe, parce qu'ils s'attendent tout le temps à ce qu'on multiplie les passes, à ce qu'on fasse des passes en retrait, à ce qu'on repasse dans l'axe, etc. Et quand on frappe, ça les surprend. Et en plus, si on a des frappeurs de qualité, ben ça donne des buts exceptionnels comme les deux premiers qu'on a vus durant cette première mi-temps. Ensuite, j'aimerais parler de certaines individualités. D'abord, Frenkie de Jong. Je n'en parle pas assez dans mes débriefs en règle générale parce que Frenkie de Jong, il nous a habitués à une certaine constance. Et ça, faut pas non plus qu'on le minimise et qu'on le passe sous silence tout le temps. Moi, je commence à m'habituer, mais je devrais pas le faire en réalité. Parce que Frenkie de Jong, il nous sort des masterclass match après match, semaine après semaine, à des postes différents. Aujourd'hui, il a encore failli marquer la transversale à sauver le gardien, mais dans l'ensemble, Frenkie de Jong, c'est un joueur total. Aujourd'hui encore, il jouait dans cette défense à 3 et il a été ultra important lors des sorties de balles et en plus, il se projette comme d'habitude vers l'avant. Donc Frenkie de Jong, j'espère qu'il continuera comme ça, à nous sortir comme ça des masterclass match après match, on en aura besoin. J'aimerais également parler de l'arbitrage parce que oui, c'est pas parce qu'on gagne qu'on ne doit pas parler de l'arbitrage. Aujourd'hui encore, c'était une honte, je répète vraiment une honte l'arbitrage. C'est vraiment grave ce qui se passe depuis quelques temps en Espagne. Aujourd'hui, l'attaquant de Huesca, Rafa Mir, fait une grosse simulation et moi on m'avait expliqué que la VAR, elle est là normalement pour éviter ce genre d'erreur. Il vérifie dans le camion, qu'il vérifie le hors-jeu. Pourquoi est-ce qu'il vérifie le hors-jeu alors qu'il siffle penalty? En fait, vous savez quoi? J'ai hâte que le UEFA Lona revienne. J'ai hâte que le Barça gagne des matchs avec des erreurs d'arbitrage, nous aussi, parce que ça fait maintenant un moment qu'on n'arrête pas de nous la mettre à l'envers. Avant de parler de Lionel Messi, j'aimerais parler de Oscar Mingueza. Alors, selon la légende, voici comment est-ce qu'il s'échauffe tranquillement avant les matchs. Franchement, Mingueza, cette saison, c'est la révélation avec Araujo. La Masia nous offre sur un plateau d'argent comme ça, un joueur de qualité. Il a eu beaucoup de mal à s'intégrer au début, mais voilà, déjà dès le début, on voyait qu'il avait quelque chose. Après, il a eu un peu de mal, et là, il revient à un meilleur niveau. Franchement, s'il marque en plus, il a de la puissance dans les airs. Pour moi, je l'ai dit, il me rappelle Rafael Marquez. J'espère qu'il continuera comme ça. Comment ne pas parler de Lionel Messi, encore auteur d'un golazo exceptionnel en première mi-temps et de la spéciale Messi en seconde mi-temps. Que dire de ce joueur? On a déjà tout dit, mais on ne se lasse jamais parce que Messi est un extraterrestre et c'est une chance inouïe de voir ce joueur en direct sous nos yeux. J'espère que vous vous rendez compte de cette dinguerie. Par ailleurs, sachez que le père de Lionel Messi, Jorge Messi, Jorge Messi, appelez-le comme vous voulez, doit se déplacer à Barcelone en ce début de semaine pour rencontrer Joan Laporta. Alors, on sait tous, l'été dernier, le Padre Messi, il était censé venir régler le problème Messi en rencontrant Bartomeu en prenant un vol privé depuis l'Argentine afin d'exiger le départ de son fils. À l'époque, il avait été accueilli par Bartomeu par un coup de pied dans le derrière. Il lui a dit, allez, va-t'en, retourne en Argentine. Lionel Messi ne part nulle part. Donc, Bartomeu avait mis les barbelés et empêché Messi de quitter le Barça, tout simplement. Cette fois-ci, c'est différent. Vous le savez bien sûr, donc, le papa Messi, c'est également son agent. Par la même
même occasion. Donc forcément, s'il vient à Barcelone, c'est pour négocier quelque chose par rapport à son fils. Ou en tout cas, écouter les offres que Bartomeu... Qu'est-ce que je raconte, Bartomeu? Il me hante encore ce clochard. Les offres donc de Johan Laporta par rapport à l'avenir de Messi. Laporta veut bâtir quelque chose autour de Messi. On sait très bien que Messi n'a pas encore pris sa décision par rapport à son futur. Il est libre de prolonger avec le Barça ou de choisir un autre club. Donc ça va être décisif, je pense, cette semaine pour Messi, son avenir au Barça. Moi, je trouverais ça extrêmement dommage s'il arrivait à partir, s'il prenait la décision de ne pas rester au Barça après avoir traversé, on va dire, les tempêtes. Maintenant que le soleil arrive à l'horizon, je pense que ça serait vraiment triste de le voir partir. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Messi, c'est à lui de choisir. Évidemment qu'on ne peut rien faire, il n'a plus de clause ou quoi que ce soit. Donc on respectera son choix. Moi, pour moi en tout cas, je respecterai son choix. Ça me fendrait le cœur, mais pas le choix. Sachez donc que Laporta projette également de recruter Erling Haaland. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne sais pas si ça va se faire. Je vous sortirai de toute façon une vidéo pour vous en parler plus en détail. Mais ça serait quand même incroyable de signer un tel joueur. On a besoin d'un tueur devant les buts. Et Haaland, pour moi, est exactement ce qu'il nous manque. Ce qu'il nous manque dans cet effectif pour combler nos faiblesses, mais également s'assurer de l'avenir. Pour revenir au match, 3 points super importants. L'Atlético Madrid a lâché encore des points durant ce week-end. Donc on ne revient qu'à 4 points de la tête du championnat. On doit affronter les Colchoneros sous peu. Donc il faut continuer comme ça. On pratique du beau football. La confiance est de retour. Honnêtement, cette équipe, elle nous fait plaisir. Le groupe fait confiance à Koeman. Laporta est de retour. Autant dire que pour l'instant, tout se passe comme prévu. Le prochain match sera un déplacement difficile quand même à la Sociedad. Honnêtement, il me fait un peu peur, mais j'ai totale confiance en ces hommes. Je pense qu'il sortira un match de bonhomme. Il va falloir voir comment ça va se passer. Mais si on gère, comme d'habitude, ces matchs à déplacement comme ces derniers temps, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne secondaire. Je ne sais pas, pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que j'ai une chaîne secondaire, une chaîne gaming. Je fais souvent du FIFA, Carrière Manager, FIFA, ou même d'autres jeux selon les périodes. Je projette de faire un live là-dessus sous peu. Donc, si vous voulez communiquer avec moi durant ce live, je vous invite à vous abonner à ma chaîne gaming. Je vous mettrai le lien en description. D'ailleurs, je vous laisse avec cet extrait. Je sais comment mettre des golazo sur coup franc. Laissez-moi tranquille. Merci. Allez. Celle-là, elle part au fond, les amis. Si marque, là, on s'en va. Hein. Le coup franc de Messi. Oh et oui. Qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que non, que les autres... Que... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Et un peu premier poteau, deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne lui pas, mais le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro. Tout, il a lui la met, pique. Voilà, et si vous voulez pas vous lever même à 11h du soir et crier Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames, peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre.